Ce parfum entre mille. Du crapaud bodybuildé, musclé, élégant, rassé. Oh, race est un vilain mot. On dit espèce d'abruti. Si on jouait à l'espèce supérieure. Non, c'est au-dessus. Les amis, je vous ai rassemblés aujourd'hui pour régler un problème qui commence sérieusement à me sauver les oreilles. Même si j'ai pas d'oreilles. Ou à l'autre, son espèce, elle a pas d'oreilles. Moignon, canard. Qu'est-ce que c'est que cette manie de tout le temps se moquer de l'espèce des autres? Je rappelle que notre espèce à nous, les chats, était vénérée par les Égyptiens, alors que les canards, ils en faisaient du foie gras, voire du pâté, de la terrine. Ah ouais, bah nous les écureuils, on a une queue touffue et on fait des provisions pour l'hiver. Et bim, prends ça dans ton espèce, le chat. Nous les chats, qu'on pue, qu'on pète, qu'on prenne nos fesses pour des trompettes, qu'on fasse bobo à coin-coin, les gens nous aiment. On fait 10 milliards de vues sur le web, c'est pas de la tarte aux prunes. Qu'est-ce que tu réponds à ça, casse-noisette? Tiens, je me ferais bien un foie gras. Chiche, ça te fait. Lucie, c'est moi, je sais, il y a des sons... Ouais, tu parles pas comme ça de ma sœur. Oh bah d'accord, bah si c'est comme ça, vous voulez pas santé? Eh ben on sente pas, ça n'a aucune espèce d'importance. Oh bah là, je te signale que c'est toi qui parles d'espèce. Espèce du kounasma. Toujours pas sorti en Afghanistan. Suite, maître. Oh maître, à vos ordres, maître. Mais moignon, mais qu'est-ce que tu fais? Bah quand même, hein, 10 milliards de vues sur le web, les chats. Respect. Oh mon maître, mon dieu, mon mentor. Je pense qu'il est absolument nécessaire d'élargir le débat. Le débat peut commencer. La parole est à Kailou, porte-parole des batraciens, des crapauds, des reptiles et autres bébêtes drôlement mignonnes. Merci, monsieur le président. Ce que je souhaite dire aujourd'hui, c'est que ce n'est pas important qu'on soit... jaune, orange ou... gros con. Ou beau. Intelligent. Ou gros con. On descend tous de petits têtards tout frétillants qui ont décidé un jour d'aller voir ce qui se passait sur la terre ferme. Et puis pouf, des petites pattes ont poussé. Puis il y a eu plein de bébés d'espèces différentes. Avec des oreilles, sans oreilles, avec des dents, avec des moustaches, avec un... canard. Comme par hasard. Mais quelle espèce de fourcheton tu fais? Tu devrais avoir honte. Eh ben moi j'ai envie d'être un chat. Je veux qu'on me like. Je veux qu'on me like. Mais enfin la grenouille, tu vois bien que nous n'avons rien à voir les uns avec les autres. Tiens, prends tête de bec et le casse-noisette. Canard, bec, palme, tête amovible. Écureuil, tronche de cake, ratiche, manque d'hygiène évident. C'est le stress des examens. Certes, mais regardez. Deux bras, deux bras. Deux jambes, deux jambes. Une tête bizarre, mais une tête quand même. Tout pareil. Bon, d'accord, on n'est pas tous pareils, surtout Moignon, mais on est tous égaux. Tous égaux, attends la grenouille. Personne à part toi ne se transforme en crapaud bodybuildé quand il a un pet de travers. Ah, bah ça n'arrive pas qu'à moi. Eh bah si. Moi je voudrais être un chat et être assez souple pour me
lécher, là. Pete. Monsieur ça, c'est tout de même plus compliqué que ça. Oh que non. Quand tu te transformes en crapaud parce qu'on a émis un avis différent du tien et que tu nous tapes dessus, tu te comportes en espèce supérieure. J'ai rien contre, mais c'est un fait. Oh non. Je refuse. Je ne suis pas une espèce supérieure. Non, non. Moi, monsieur chat, comment vous l'avez cassé? Ça va commencer, ça va commencer. Ah ouais, vous méritez vos 10 milliards de vues sur le net, hein. Eh ben, de toute façon, je m'en fiche. D'abord, moi, je suis verte. Et le vert, c'est joli. Ouais, le vert, c'est aussi la couleur du moisi. En voiture, Simone. Ouais, c'est qui, Simone? Je ne vous parle plus, monsieur ça. La bave du vilain matou n'atteint pas la verte colombe. Vous allez voir quand je dis plus rien comment c'est désagréable. Oh, c'est désagréable quand je dis plus rien. Je vais me taire exactement et je vais tout mimer avec mes bras et avec mes jambes et avec ma tête et avec mes yeux. Ta gueule. Oh oui. Ah bah ça dépend, vous allez où? Je vais devenir un chat. Je vais changer d'espèce. Quoi? C'est sérieux? Oh ça va, hein. Tu sais pas ce que c'est toi d'avoir une si belle personnalité coincée dans un corps aussi moche? Si, je sais ce que c'est. Eh ben moi, je sais que je suis née dans un corps d'écureuil, mais je me suis toujours sentie chat à l'intérieur. Miaou, miaou. Tu vois, mon charisme, mon style, ma démarche chaloupe, y'a pas photo, je suis un chat. Comme coin-coin. Comme coin-coin. Coin-coin. Oh, monsieur coin-coin. Quelle élégance, quel style félin. Oh. Le nec plus ultra de la chirurgie stéthoplasmique. Miaou. Trop cool. C'est monsieur chat qui organise tout. Voyage en train, clinique, rage de touffe de poils. Et bim, on est un chat. À nous les milliards de clics sur le web. Ouh. Monsieur ça. Je sais de quelle espèce vous êtes. Vous êtes un monstre. Tu peux parler.